Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Match pluvieux, match heureux. On va voir si cet adage s'applique aussi au football. Vous le voyez, en tout cas, il pleut des cordes depuis plusieurs heures. Mais heureusement, la pelouse est encore praticable. Les joueurs ont pu s'échauffer dans de bonnes conditions. Même si on a vu quelques glissades qui ont déclenché les rires dans le public. Un public qui a bravé, lui, les éléments et qui est venu en nombre, comme souvent dans cette région. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Et le match est donc lancé. Le ballon dans la profondeur. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Ils ont été tenus en échec lors de la première journée, mais la saison sera longue évidemment. Il tire! C'est repoussé! Oh, quel arrêt! Ah, ça c'est magnifique! Chapeau! Ce sera le premier corner du match. La frappe, attention! Ah, c'est bien fait, mais ça ne passe pas! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. La longue passe, il peut en profiter. Bonne interception, il y avait danger. Bon dégagement. La passe en retrait vers son défenseur. Ça joue long vers l'avant. Il saute, il prend sa chance. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Le corner est joué court. Centre au second poteau. Un peu d'oxygène pour sa défense. Oh, l'inspiration! La parade, magnifique! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire. En retrait pour repartir proprement. En retrait vers son gardien. Le gardien loin devant. Bonne lecture de la trajectoire. C'est joué long. Un long ballon vers l'avant. C'est quand même extraordinaire la manière de faire tourner le ballon, de conserver et faire courir l'adversaire. C'est sûr qu'il préfère avoir la possession que de laisser le... Le coup de sifflet de l'arbitre, avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Pas de but dans cette première période, mais ce match est de moins d'être terminé. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Oh, il y a danger. De la tête! Oh, c'est au fond! Juste au retour des vestiaires pour bien débuter cette seconde période. C'est vraiment un beau coup de tête, il a progressé dans ce domaine. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait.
On y est, le compteur est débloqué. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. Il dégage. Il allonge vers l'avant. Bien, la profondeur. Ouf, un peu d'air. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Oh, très beau ballon. Le bon appel du défenseur. Dangereux poussé pour le moment. Il se rattrape bien. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Ils espèrent tenir cette courte avance jusqu'au bout. Il tente la frappe. Attention au centre. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Il est sorti du jeu.